Je suis un réanimateur today. J'ai écouté un tout petit peu la partie de manager où il disait que avant d'aller sur le plateau de Mulukuku, il était en communication avec la maman de DJ Congélateur et que cette dernière disait que Congélateur l'a appelé. Vous allez venir dire que manager est en train d'exposer Congélateur. Pourtant, c'est Karina Steele qui a dit, parce que lui, il ne voulait pas rentrer dans les détails. C'est vrai que il traduisait ça hors antenne, mais sur le plateau, il n'a pas voulu parler de ça. Et Karina Steele, comme elle aime Gbéré, elle a sorti le Gbéré Show. Mais moi, j'ai. Il y a un truc qui me fatigue, pardon. Congélateur est en train de regretter. Congélateur veut que Manadja le récupère. Bon, si Manadja le récupère là-haut, Manadja va faire quoi? Il va arrêter sa carrière pour manager Congélateur encore ou bien je ne comprends pas. Bon, Manadja le récupère en comment? Je ne comprends pas. Ils peuvent se causer, mais. Dit que Manadja va abandonner sa carrière pour lui. Là, je dis non. C'est pendant que Manadja est en train de souffrir, Manadja, pendant que Congélateur est en train de souffrir en silence, Lolo et Tiesco sont en train de parler de leur grossesse sur TikTok, ouais. Sur TikTok, ils sont en train de lever. Parler de grossesse de Lolo. Vous qui étiez là en train de parler, quand on disait non, Lolo n'a qu'à déposer. Lolo et Tiesco n'ont qu'à déposer Manadja là. Vous êtes où? Ils n'ont qu'à déposer, pardon, DJ Congélateur. Vous êtes où? Hé! Allez-y prendre l'enfant là. Il va venir en bengué. Hein? Allez-y vous occuper de la carrière de l'enfant. Quelqu'un me loue sa carrière, mais. Zagoli-Golier. Ça plonge ici, ça plonge là-bas. Ça plonge. Sa carrière est Zagoli-Golier. Lui, il dit il va prendre congélateur pour s'occuper de lui. L'enfant est où? Écoutez la partie là. En tout cas, manager. Moi, je préfère que tu reparles avec Congélateur, que tu lui apportes des conseils, que tu lui donnes des petits conseils. Mais travailler. Quand je mets le téléphone dans, je mets puce dans le téléphone, il arrive à m'entuer. Donc, les puces là, il grille les puces là. Donc, ça fait que bon, il dit bon, tiens le téléphone, c'est cette vidéo, je télécharge cette vidéo. Donc, il n'y a pas son contact. Donc, quand ils ont pris, l'autre côté, ils ont pris, c'est ça, ils ont mis contact, ils ont mis. D'accord. Tout à l'heure, quand on venait, bon, enfin, tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, tu étais au téléphone avec la maman. Avec sa maman. Ben, malheureusement, tu voulais que je parle avec elle, mais moi, je ne parle pas baoulé. Donc, c'était compliqué. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec la maman de DJ Congélateur? Sa maman me disait que, avant, tiens, il a causé DJ Congélateur. Bon, c'est quoi, je suis bon, on ne va pas rentrer tous les détails. Bon, elle me disait, bon, on est arrivé. Vraiment, prier beaucoup pour toi, que je viens me voir, mon fils, j'ai envie de te voir. C'est comme ça. Parce qu'on a, au fait, on a parlé beaucoup de choses, mais tu sais, bon. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas dire? Parce que moi, tu m'as appelé, tu m'as demandé si je comprends Baoulé. Malheureusement, je ne comprends pas Baoulé. Et quand elle parlait, tu étais en train de traduire. Est-ce que tu étais en train de traduire? Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire ici. Là, tu nous as dit que la maman, de, si je peux me le permettre, la maman de Congélateur dit, Congélateur lui a dit que toi tu devais l'envoyer en bengue. Les gens l'ont blagué aujourd'hui, tu es parti en bengue seul. Et que lui, ils l'ont trahi, il ne veut plus travailler avec eux. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Voilà, donc c'est un peu le béret. Je ne vais pas dire que tu as dit là-bas. Bon, c'est ça. Bon, comment elle a dit? Maintenant, on ne voit pas comment elle a dit. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. D'accord, elle m'a appelé. Effectivement. Elle m'a appelé. Et à Karina, est-ce que tu confirmes? Si, si, si. Maintenant, dernièrement, j'ai vu que je t'ai vu dans une vidéo où tu t'entres de dire que tu ne voulais pas, tu ne voulais plus de réconciliation avec comment il s'appelle déjà? Congélateur. Congélateur. Oui. Mais là, sa maman t'appelle pour te dire que tu dois prendre Congélateur parce que Congélateur dit ça et ça et ça. Est-ce que tu as changé?